Salut Pierre, merci de nous rejoindre sur ce Salut. podcast pour discuter un petit peu de ta solution, de Waltio, mais aussi, on est en fin d'année civile, un petit peu de déclaration d'impôts. On va voir si c'est trop tôt, si c'est trop tard, on va voir comment se positionner un petit peu, qu'est-ce qu'on déclare, qu'est-ce qu'on ne déclare pas. Et on va étudier ensemble également les amendements de Pierre Person, qui est le crypto-député qu'on connaît bien, qu'on a déjà reçu chez nous à Cryptost. Des amendements qui sont passés il y a quelques semaines, voir ce que ça change ou ce que ça pourrait changer dans les prochains mois et dans nos prochaines déclarations. Merci de nous rejoindre encore une fois sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire aussi quelques mots sur Waltio, même si on aura l'occasion d'y revenir dans tout le podcast, s'il te plaît? Ouais. Déjà, salut Valentin, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Pierre Morizot, je suis un des cofondateurs de Waltio. Et donc, présenter rapidement la solution, on est persuadé que pour qu'il y ait une adoption massive des crypto-monnaies, il faut que la partie réglementaire, que ce soit comptable ou fiscale, soit facile. Et donc, on a créé un logiciel qui se connecte sur les comptes, on a codé le droit fiscal et on aide donc au calcul de plus-value crypto et donc au suivi du portefeuille. On a déjà eu l'occasion d'en discuter quand on s'est vu à plusieurs reprises sur les événements crypto, parce qu'avec Waltio, vous êtes souvent sur les événements en présentiel. Et tu me racontais un petit peu en 2018 comment tu as eu l'idée de créer Waltio, d'une problématique personnelle. Est-ce que tu peux nous en redire quelques mots, qu'on essaie d'avoir un petit peu le contexte de 2018 qui est bear market, quoi. C'est à peu près ces périodes-là. Bah, en fait, oui, bear market 2018, mais il y a toujours un décalage, fiscalité ou comptabilité, il y a toujours un décalage entre le moment où on doit rendre les comptes et le moment où les opérations ont été réalisées. Et en l'occurrence, certes, bear market en 2018, le moment où on doit donc déclarer, mais ce qui a été les opérations, voire gains réalisés en 2017. Et donc, en fait, là, c'était un moment où j'ai commencé à essayer de calculer les plus-values, et c'était mais absolument infaisable. Moi, j'avais un background d'ancien analyste financier, donc j'avais une certaine compétence manière sur Excel et pour comprendre. Et en fait, je réalisais que c'était des jours de travail juste, et je me suis dit que c'est pas normal. On peut pas demander à chacun de construire son modèle pour pouvoir calculer les plus-values, et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc, j'avais vécu au Japon avant, donc j'avais peut-être un sens du bien commun. Un peu développé et donc je me disais que ben, c'était pas normal que de pas pouvoir calculer, de pas pouvoir déclarer ce qu'on avait gagné et c'est là où après rencontre avec Benjamin rapidement donc lui qui est développeur et le CTO de la société, et puis on a commencé à créer une première bêta, une version bêta. On a vu très rapidement beaucoup de personnes voulaient l'utiliser, donc petit à petit on est maintenant là où on est arrivé. Donc, tu le disais un petit peu en introduction, Waltio, ça c'est un outil qui permet de centraliser un petit peu tous les trades qu'on a pu faire, voir ceux qui sont gagnants, pas gagnants, et puis faire la tambouille et nous sortir ce qu'on doit déclarer. Est-ce que tu peux nous redire justement quelques mots sur ce calcul de la plus-value, histoire de recentrer un petit peu les choses, et puis nous expliquer justement comment vous faites pour essayer de centraliser toutes ces informations-là? Alors, peut-être déjà pour présenter rapidement, très brièvement, le régime fiscal, il y en a un qui est arrivé, mis en place le 1er janvier 2019 et qui, en fait, requiert pour chaque contribuable qui réalise une opération imposable de devoir calculer et déclarer ses gains en même temps que la déclaration de revenus, donc c'est-à-dire deuxième trimestre de l'année suivante. Et donc aujourd'hui, pour les particuliers qui ont une activité donc qualifiée d'occasionnelle, ils doivent suivre en fait toutes les transactions, d'ailleurs même les professionnels, donc chacune de leurs opérations de façon pas quotidienne, mais toutes les opérations qui ont été réalisées, les airdrops, les opérations crypto. Et après, lorsqu'il y a un fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire une cession imposable, ça veut dire soit la revente d'une crypto-monnaie contre des devises monétaires d'État, euro-dollar, soit l'utilisation de cette crypto pour acheter un bien ou service réel, donc quelque chose de tangible, on va dire quelque chose d'autre qu'une crypto-monnaie. Une fois que c'est utilisé à ses fins, on doit calculer la plus-value. Et pour calculer la plus-value, il faut valoriser l'intégralité, lors de chaque opération imposable, l'intégralité des cryptos en portefeuille. Donc, ça s'inspire d'un autre régime fiscal, mais ce qui est une logique très franco-française,
étant donné aussi la spécificité du fait que les crypto-crypto, donc les opérations entre actifs numériques, ne sont pas des faits générateurs d'impôts, donc ne sont pas des opérations imposables. Par contre, on doit, pour chacune des opérations imposables, utiliser l'intégralité de la valeur du portefeuille pour calculer les plus-values. Et ça, c'est assez casse-tête. On avait eu l'occasion de recevoir les avocats d'Orwell que tu connais bien également il y a quelques mois, à l'époque de cette déclaration. Je mettrai le lien en description, qui sont des avocats fiscalistes, donc spécialisés sur ces questions-là. Mais c'est un casse-tête monumental. Est-ce que sur une base, par exemple, de 100 euros, tu pourrais nous faire la démarche pour, voilà, imaginons, elle a fait x2 cette position et j'en retire une partie, par exemple 30 euros. Est-ce que tu peux nous faire le petit calcul qu'on essaie de bien comprendre, s'il te plaît? Oui, alors, déjà, il faut savoir, la logique souvent qu'on avait en tête, qui est une logique professionnelle, qui n'est pas du tout cette logique de particulier, qui est d'ailleurs le même régime fiscal aux États-Unis, on suit chaque trade et sur chaque trade, on calcule la plus-value. Là, en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas. Donc, la version très simple donc, reviendrait à… il faut premièrement identifier combien on a investi en crypto-monnaie. Donc, par exemple, sur les 100 euros, on investit 100 euros donc en crypto, on va dire, et le portefeuille monte à 1000 euros. Et si on veut cash out, par exemple, 500 euros, on va devoir prendre en compte le montant cash-in investi, donc les 100 euros, et après… auquel on va déduire donc le prix de cession, ce qui est le montant cash out, les 500 euros. Et après, on va multiplier ce prix de cession. On a les détails divisés par la valeur totale du portefeuille. Et c'est comme ça qu'on va… Donc, la valeur totale du portefeuille, elle sera de 1000. Et c'est comme ça qu'on va être capable donc, de calculer la plus-value. La première particularité, c'est que cette valeur de portefeuille… Là, en l'occurrence, on a juste une opération, enfin deux opérations, c'est assez simple. Mais si on détient plusieurs crypto-monnaies et on réalise des transactions crypto-crypto, en fait, cette valeur de portefeuille, il faut récupérer lors de l'opération imposable toutes les coins qu'on détient en portefeuille sur ces wallets, sur tous ces exchanges, et donc pour valoriser correctement. Donc, c'est évident, enfin, moi, ça me paraît évident depuis quelques années, mais c'est très difficile à faire sur Excel, ou en tout cas, c'est… un arrachage de cheveux. Donc l'idée étant construire un logiciel qui automatise tout cela et qui permet en fait d'avoir une certaine sérénité dans son calcul. Peut-être justement, tu parlais tout à l'heure du cabinet Orwell Avocat. On avait rédigé tous les ans, on rédige un livre blanc, une sorte de guide fiscal assez facile. Je pense qu'on pourra le partager en effet aux auditeurs. Avec plaisir. Il est entièrement gratuit. Il est disponible. Sur un lien public. Et donc, comme ça, on peut voir vraiment le détail avec d'autres exemples, avec des exemples un petit peu plus complexes et répondre aussi à d'autres questions plus techniques. Carrément, avec grand plaisir, on mettra ça en description. Et c'est d'autant plus compliqué avec un Excel qu'à la manière des multi-blockchains, aujourd'hui, on est multi-compte, on a Binance, on a Coinbase, on a Kraken, on a tout ça. Et ça fait un méli-mélo assez compliqué pour essayer justement de ne pas oublier une opération. Et dans un second temps de ce podcast-là, on verra avec toi, Pierre, un petit peu en partage d'écran comment ça fonctionne, la solution Waltio. Et donc, j'inviterai ceux qui nous écoutent sur Spotify à basculer sur YouTube parce que ça prendra forcément un peu plus de sens d'avoir la vidéo sous les yeux. Ça, c'est ce qui est en place aujourd'hui, cette déclaration avec ce qu'on appelle la flat tax, donc les 30% et toute la complexité autour que tu viens d'expliquer. Aujourd'hui, on est dans la première quinzaine de décembre. Fiscalement, les opérations s'arrêtent le 31 décembre et on doit les déclarer l'année suivante, c'est ça? Exactement. Et donc, c'est-à-dire que là, sur ce bull run, sur cette année complète de bull run, c'est la première en fait, où l'année dernière, ce n'était pas totalement bull run, là, on est totalement bull run. Beaucoup de portefeuilles sont positifs, la quasi-totalité, à part si dans la dernière quinzaine, ça déraille un peu. Et c'est là, du coup, qu'il faut se dire, attends, qu'est-ce que j'avais mis au début? Qu'est-ce que j'avais en début d'année? Qu'est-ce que j'ai en fin d'année? Comment ça se passe, ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a un premier travail, c'est qu'il faut suivre son portefeuille, dans le sens suivre ses comptes, identifier les comptes qu'on détient, ses wallets et ses différents comptes. Donc, je pense que ce qu'on voit souvent, certains de nos clients, de là, on a des personnes qui utilisent Waltio, juste la version gratuite, pour connecter leurs comptes, pour rassembler l'information et se dire, au moins tout est lu sur Waltio, il y a toutes les transactions, commence à vérifier que chacune des opérations type airdrop ou produits dérivés sont bien enregistrées, on va dire sans même avoir la version payante de calcul de plus-value. Après,
comme je disais, le premier travail, ça va être de, un, rassembler ses comptes, deux, s'assurer que toutes les transactions, s'il y a des participations à des ICO, des transactions un peu spécifiques, type des paiements, ou un salaire qui a été perçu en crypto-monnaie, tout ça soit, ou je sais pas, le cashback par exemple, soit enregistré. À chaque fois, il y a des modalités, on va dire, déclaratives qui sont particulières ou des enregistrements fiscaux qui sont spécifiques. Et donc, on s'assure que c'est bien pris en compte dans l'outil. Et en fait, une fois, donc, ça peut être fait dès maintenant, évidemment, l'outil pour 2021 est disponible depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'on peut calculer dès aujourd'hui ses plus-values, en tout cas estimer pour l'année 2021. Et à partir du 1er janvier, on aura ou ceux qui ne font plus de trade ou certains peuvent avoir dès aujourd'hui des premières versions des calculs de plus-value et après pour avoir une version définitive une fois que l'année sera terminée. Donc là, on peut avoir, on va dire, une version provisoire pour savoir comment son portefeuille a évolué selon, on va dire, comme le définit le Code général des impôts et donc comment son portefeuille a évolué et quel est le montant d'impôts éventuellement à payer. Et tu le disais aussi tout à l'heure, mais on le reprécise ici, celui qui n'a fait que des échanges crypto-crypto et qui a vu son portefeuille exploser, par exemple, en x100, pour l'instant, lui, il n'a rien, il ne doit rien à l'État français. Alors, s'il n'a pas fait utiliser ses cryptos pour payer, en effet, à partir du moment où il n'a pas fait de fait générateur d'impôts, il n'a pas d'obligation ni de calculer ni de déclarer ses plus-values. Nous, on encourage quand même, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur notre outil de plus en plus de personnes qui l'utilisent tous les ans en se disant, j'ai aucune envie, je veux cash out, moi, d'ici 3 ou 4 ans, j'ai pas besoin de cet argent. Par contre, je suis prêt à payer Waltio 55, 150 euros, 250 euros par an pour que ça suive, je suis capable de suivre mes comptes tous les ans de façon régulière parce que j'ai pas envie de me taper 3, 4 indés et on reprend tout. Il y a un certain travail, faut l'avouer, surtout quand on réalise des centaines, des milliers d'opérations. Enfin, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même plein de gens qui réalisent plus d'opérations en crypto-monnaie que d'opérations en fiat avec leur carte bancaire et leurs différents mouvements fiat au quotidien. Et si on utilise sa carte Binance, crypto.com, tout ce genre de choses pour effectivement effectuer un paiement. Beaucoup dans l'imaginaire collectif, c'est on passe entre les mailles du filet ou alors ça ne rentre pas dans ce qui existe et donc je ne dois rien lors de l'imposition, lors de la déclaration d'impôt. C'est faux ? Alors, il y a deux éléments de ta question. Qu'est-ce que dit la loi et quelle est la réalité dans la pratique ? Ce que dit la loi, c'est que l'utilisation d'une crypto-monnaie à des fins de paiement est un fait générateur de l'impôt. Donc, lorsqu'on l'utilise, on doit calculer et déclarer ses plus-values. La réalité, c'est que je pense que peu de personnes qui détiennent des cartes, et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des freins. Nous, on a alerté des députés, on a alerté le président de la commission des finances récemment en disant, attention, c'est un frein à l'utilisation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement, les modalités déclaratives, c'est-à-dire que l'obligation de calculer, concrètement, ça veut dire remplir 10 chiffres dans sa déclaration fiscale pour chaque paiement quand on va acheter, faire ses courses, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique, pour un contribuable. Donc, le fait d'avoir un régime fiscal si peu clair, ça encourage à la fraude fiscale. Donc, au lieu, s'il y a un tel taux de fraude fiscale, il y a un moment, c'est peut-être que la loi n'est pas pertinente. Donc, au gouvernement, à l'administration fiscale, aux députés, de se saisir du sujet pardon, et de proposer des modalités de calcul et de déclaration qui sont beaucoup plus pertinentes, qui ont du sens. Et justement, ces lois, elles changent un petit peu. Alors, c'est déjà extrêmement compliqué pour les contribuables, et même nous, y compris, qui baignons en permanence dedans, de comprendre toutes les subtilités. Et pourtant, elle change encore l'année prochaine et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a certains points où c'est bien que ça évolue. C'est justement le député Pierre Person qui les a portés devant l'Assemblée. On pourra les mettre également en description. Tous les amendements n'ont pas été adoptés par l'Assemblée alors qu'il y en avait des pertinents, notamment sur les cartes de crédit et de débit crypto.com, Binance et autres. Mais qu'est-ce qui a été adopté, qui changera, qui rentrera en vigueur dans les prochaines années, les prochains mois, et qui est intéressant ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qui change là prochainement, ou qu'est-ce qui pourrait changer dans le futur ? Même peut-être avant, pour présenter un peu les différents travaux, donc il faut savoir que tous les ans, il y a ce qu'on appelle le projet de loi de finances. C'est donc au moment de l'automne,
et du début de l'hiver une réflexion avec les députés et le gouvernement qui propose, surtout les députés, des modifications de la loi sur les enjeux fiscaux, sur les enjeux financiers. Et donc cette année, certes, Pierre Person en chef de file en tant que, on va dire, le plus enthousiaste et médiatique sur les sujets des crypto-monnaies, mais il y a aussi plein d'autres députés qui ont proposé des amendements. Peut-être avant de rentrer dans le détail des amendements, expliquer un peu ce qui s'est passé. Premier point, les amendements ont été, il y en a 9 qui ont été déposés à l'Assemblée nationale, donc au début en commission des finances, puis à l'Assemblée nationale. Dessus, il y en a 3 qui ont été acceptés, mais un qui a été retiré, 2 qui sont réellement passés. Après, ces amendements ont été proposés au Sénat, discutés. Malheureusement, ils ont été bloqués. Le Sénat étant à l'opposition, ils n'ont pas suivi et validé donc le budget de l'État et donc validé et proposé d'autres amendements. Et donc là, vous savez, c'est ce qu'on avait vu à l'école, la fiche navette avec le ping-pong. Et là, maintenant, c'est retourné à l'Assemblée nationale pour être rediscuté. Et donc, d'autres amendements ont été reproposés. Alors, ce n'est pas des nouveaux. On a en fait rajouté les amendements qui ont été refusés à ceux qui ont été acceptés afin de les étendre et d'avoir des amendements plus complets et d'avoir des éléments plus complets. Et effectivement, alors de quoi traitent ces changements? Alors, il y a 2 choses. Le premier, c'est donc il y avait 9 amendements. Que je trouve en tout cas pour étant les plus pertinents, c'est le premier point, c'est le système d'apport-cession. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui s'enrichissent de façon significative en crypto-monnaie, la réalité, c'est qu'on est face quand même à un certain exode fiscal. Et donc, une façon de pouvoir les encourager à rester sur le territoire français, ce serait de se dire que c'est les gens qui ont encaissé des plus-values en actifs numériques puissent, ou en tout cas ont des plus-values latentes, puissent les réinvestir dans des sociétés et donc dans ce qui est appelé l'économie réelle en ayant une sorte de retard d'imposition étant donné que ces crypto-monnaies restent dans leur patrimoine. Donc, d'une certaine façon, ils n'en bénéficient pas directement pour consommer, mais comme ça reste dans leur patrimoine, ils puissent les réinvestir dans des sociétés. Et en les réinvestissant dans ces sociétés, il n'y a pas de fait générateur de l'impôt. Donc, on décale le moment où on doit déclarer un gain et le payer. Donc, c'est ce qu'on appelle un système d'apport-cession. Ça, par exemple, c'était, je trouve, un argument très pertinent qui a été refusé. Il y en a un deuxième qui est le fait de pouvoir déduire ses moins-values d'une année à l'autre. Honnêtement, moi, on s'est assez prononcé sur Waltio, sur cet enjeu. C'est vraiment conséquent. On vit des belles années en ce moment. Mais il est évident que est-ce que ce sera 2022, est-ce que ce sera 2023, ou 2024, il y aura une année de bear market. Le marché est structuré comme ça des crypto-monnaies depuis le début. On a des fortes années de croissance. Il y a aussi des années de décroissance et de correction. Et donc, à partir de là, il faut que, en tout cas, on doit encourager les contribuables qui détiennent des crypto-monnaies, qui veulent sortir, qui veulent encaisser leur moins-value et donc qui puissent les déduire des plus-values éventuelles dans les années à venir. Donc, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait justement dans le marché action, hein, c'est ça. C'est ce qui fait dans le marché action, c'est ce qui fait dans plein d'autres régimes. On avait fait justement un petit tableau récapitulatif donc avec la DAN et certains avocats pour présenter les différents régimes et dire, mais attendez, il y a juste les crypto-monnaies, l'univers des crypto-monnaies qui est pénalisé sur ce régime. Alors, la réponse du rapporteur général, qui est d'une certaine façon le gouvernement, c'était de dire, aujourd'hui, il y a déjà des déductions de moins-value, on peut les faire durant l'année, on fait la somme des plus et moins-values pendant l'année, et le fait qu'on neutralise, qu'on n'ait pas d'imposition crypto-crypto, ça fait un peu beaucoup en termes d'avantages fiscaux. Je retransmets, je n'analyse pas ce qui était dit, c'était plus à titre informatif. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est un enjeu qui est vraiment conséquent de se dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui réalise un déficit peut reporter ce déficit de son bénéfice les années suivantes, en particulier aussi sur d'autres régimes fiscaux. Et pour le coup, c'est une certaine incohérence fiscale, une certaine aussi, je trouve, d'injustice de ne pas pouvoir le faire pour le monde des crypto-monnaies. Donc voilà, par exemple, 2 amendements qui ont été refusés. Il y en avait un troisième sur les paiements dont on parlait en crypto-monnaie. Et les amendements qui ont été acceptés, le premier, ça a été en fait qualifier les
la distinction entre un particulier, une activité trading vue comme un particulier et vue comme un professionnel. Aujourd'hui, en fait, ça a été de se dire, on prend les mêmes critères que les critères pour les traders, mais d'action de Forex. Et donc, cet amendement, il est intéressant, il est bien, mais dans la pratique, je pense que la plupart des avocats, c'est ce qu'ils appliquaient. Donc, dans la réalité des faits, elle est bien parce qu'elle donne une certaine, conscience et pour appliquer en fait cette parallèle. Mais c'est pas un amendement. C'est un amendement qui est bien, mais on n'avance pas non plus suffisamment. 2 sur 9, c'est quand même pas énorme en termes de taux d'acceptation. Donc là, il y a eu un travail pour en fait réintégrer ces amendements dans la nouvelle proposition qui va être défendue à l'Assemblée nationale dans les prochains jours et réécoutée. Et qu'est-ce que c'est justement cette affaire de, on entend beaucoup de gens s'inquiéter, est-ce que je vais être qualifié en professionnel? Et dans ce cas-là, c'est passé, je crois, de 30% d'imposition à 70%, c'est ce que tu viens d'évoquer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment 70% parce que ça paraît énorme? Et quels sont les critères justement qui sont calqués sur ce qui existe déjà dans le Forex qui pourrait être répercuté dans la crypto-monnaie? Alors, j'en profite parce qu'on ne l'a pas dit au début. Moi, je ne suis pas avocat fiscaliste. Oui, tout à fait. Ouais. Et Waltio non plus n'est ni un cabinet d'avocats, ni un cabinet comptable. On est une société qui est éditeur de logiciels réglementaires de crypto-monnaies. Donc, en aucun cas, c'est une analyse juridique qu'on fournit ou un conseil, mais plus, on va dire, un retour d'expérience de ce qu'on voit auprès de nos clients. En fait, donc déjà, ce n'est pas un taux qui est fixe de 60%. 60% serait un taux maximum. L'idée étant, ça peut être ajouté dans l'impôt. Et donc, c'est un taux qui évolue en fonction de la tranche d'imposition d'impôt de revenu. Évidemment, un professionnel, c'est souvent quelqu'un qui trade de façon professionnelle en crypto. Il y a des chances que ce soit quelqu'un qui génère des revenus conséquents. D'accord. Donc, c'est un taux qui évolue. Ce que je peux dire, et nous, ce qu'on a vu de nos échanges avec nos clients, que ce soit nos clients professionnels, donc qui sont des clients type des avocats ou des traders professionnels, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, tant que le trading d'actifs numériques se fait dans l'exercice, on va dire dans l'entretien ou l'investissement dans son patrimoine, la gestion de son patrimoine de façon, même si elle est faite, on va dire, de façon assez proactive, ça reste une activité occasionnelle. Je pense qu'un des grands critères, c'est qu'il faut voir aussi la part des revenus et est-ce qu'il y a un métier à temps plein. Enfin, il y a un certain nombre de critères. Nous, ce qu'on encourage souvent, c'est d'aller consulter un avocat, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure. Pour quelques centaines d'euros, on est au moins fixé. Et si on est, je pense, à partir du moment où on commence à se poser la question, c'est qu'il y a peut-être soit on a mal compris la loi, soit il y a réellement, la question est pertinente. Pour un peu de tranquillité, ça peut être intéressant de consulter un avocat fiscaliste. Oui, tout à fait. C'est là où j'invite nos auditeurs qui nous écoutent sur les plateformes de audio à se déplacer sur YouTube, parce que Pierre, tu vas nous partager ton écran dans quelques minutes et nous présenter la solution Waltio qui peut, on l'a compris, aider sur beaucoup de points, sur la calcul de la plus-value et sur même le suivi du portefeuille. Parce que même on a tellement de portefeuilles que des fois on oublie qu'il y a tant de sommes sur un portefeuille. C'est aussi une bonne surprise parfois. Mais c'est cool de le savoir. Voilà en tout cas pour ce petit tableau général. Et merci beaucoup Pierre de l'avoir dressé. Ça nous permet de nous remettre un petit peu dans le bain pour ceux qui sont là depuis quelques années dans le milieu de la crypto et pour ceux qui nous ont rejoints dans cette année civile, de comprendre un petit peu l'autre côté de ce marché, de cet écosystème qui est la déclaration d'impôt, qui s'arrête, on l'a compris, donc au 31 décembre pour l'année civile, mais qui se déclare au moment de l'impôt sur le revenu, donc deuxième trimestre. Et je mettrai encore une fois dans la description l'échange qu'on a eu pour le coup avec des avocats fiscalistes d'Orwell sur toutes les autres questions, et si je suis mineur, comment je fais, et comment on fait ci, comment on fait ça, et tout, qui sont des questions pertinentes et qu'on a déjà traitées avec les gars d'Orwell. Et maintenant, on va pouvoir comprendre un petit peu avec toi, Pierre, comment ça fonctionne sur le papier, sur le principe Waltio. Peut-être pour le présenter rapidement, en fait, il y a trois grandes étapes. Et de toute manière, même avant d'utiliser Waltio, la logique, elle est même pour aider quelqu'un qui veut calculer ses plus-values par lui-même,
il y a toujours trois étapes. Le premier, ça va être de récupérer toutes ces informations, donc tous ces comptes, toutes les transactions réalisées sur ces comptes. Après, ça va être d'identifier les opérations un peu spécifiques. Ça veut dire tout ce qui n'est pas une opération d'achat et de vente de crypto-monnaies classiques. Donc, les produits dérivés, les participations à les ICO, les faits générateurs d'impôts, donc opérations imposables, je sais pas, les airdrops, les rewards, les frais quand c'est lorsqu'il y a des shorts, par exemple, et ainsi de suite, pour en fait s'assurer qu'à chaque fois, on va avoir une bonne prise en compte. Bah, si c'est un dépôt, est-ce que ça vient augmenter le prix total d'acquisition, c'est-à-dire le montant investi en crypto-monnaie, ou si c'est juste un ajout au sein du portefeuille? Et si c'est un retrait, est-ce que c'est un fait générateur de l'impôt comme un paiement, ou est-ce que c'est juste un retrait qui vient diminuer la valeur de portefeuille? Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, donc une fois qu'on a rassemblé, on va se concentrer sur le premier point. Là, par exemple, quand on se connecte sur Wealth, on arrive sur cette page-là. C'est la version actuelle de Wealthio. On travaille sur une nouvelle version qui sera disponible pendant le premier trimestre de 2022. Mais grosso modo, l'idée sera la même. Donc, par exemple, on se dit j'ai un wallet Ether. Alors là, pour la démo, je vais aller sur EtherScan. On va choper un wallet, peut-être pas un trop gros. Et c'est pertinent tantôt pour ceux qui démarrent cette année ou qui vont démarrer, qui veulent plug dès le début leur adresse, mais aussi pour ceux, tu vas le montrer dans quelques instants, qui sont là depuis un moment et qui veulent se rattraper un petit peu leur retard. Complètement. Nous, on permet le calcul de plus-value pour toutes les années depuis depuis l'année 2019, 2020 et 2021. On peut aussi fournir on fournit des tableaux qui permettent des guides pour les années antérieures, pour les particuliers. Même si après 3 ans, l'enjeu est quand même beaucoup plus faible. Mais oui, tout à fait, on peut le faire aussi en cas de, on va dire, de régularisation, c'est-à-dire de volonté de s'assurer que les années antérieures, le calcul de plus-value a été pertinent. Donc okay. Là, ce qu'on a vu, j'ai ajouté ici un wallet Ethereum. Donc, Wealthio, c'est connecté sur la blockchain Ethereum, a récupéré toutes les transactions de ce wallet. Après, on peut le faire, on va ajouter aussi des fichiers ou mettre en place des connexions API. On vous encourage nettement à mettre en place des connexions API. Donc, et vous n'avez pas accès au trade, hein. Vous ne pouvez pas prendre de position, on le rappelle, parce que c'est vrai que les clés API, ça peut aussi servir à ça, mais là, ce n'est pas le cas. Il y a trois types d'accès dans une connexion API. Il y a un, c'est de ce qu'on appelle de la read-only lecture seule. Deux, c'est de faire des trades. Et trois, c'est retirer les fonds. De façon générale, on recommande de jamais donner, ni à Wealthio, mais ni à personne, des accès de retrait de fonds sur une connexion API. Ça nous paraît évident, mais je pense que pas à tout le monde. Nous, Wealthio, ne demande pas des accès de transactions, mais demande seulement de la lecture d'informations. Nous, notre métier, c'est pour ça qu'on n'est pas un PSAN d'ailleurs, c'est seulement lire toutes les données qui ont été réalisées, et à partir de là, on produit des documents fiscaux ou des documents comptables. Donc voilà, donc là ce qu'on a vu, on a ajouté par exemple, c'est quelqu'un qui avait un wallet MetaMask, donc un wallet Ethereum, on vient de l'ajouter, les transactions sont prises en compte. Si on a, je ne sais pas, un compte Binance par exemple, on clique ici sur l'API, on crée, là on a un tutoriel, on crée une clé publique, clé privée d'API, évidemment d'API, hein, pas de la crypto-monnaie, et là on copie-colle ces clés ici. Et automatiquement, on connecte et la même logique de récupération d'informations va s'opérer. Peut-être pour prendre un peu de recul, aujourd'hui, on a lu plus de 50 000 comptes de crypto-monnaie. Wealthio, il y a une transaction sur 1 000 dans le monde en crypto-monnaie qui est suivie sur Wealthio. Donc, c'est… Ça commence à faire un peu, ouais, exactement. Ouais, nos clients détiennent un petit peu plus de 2 milliards d'euros de crypto-monnaie. Ah oui, d'accord, ok. De Wealthio. Et c'est seulement présent en France. La base de données, en effet, la base s'enrichit. Une fois qu'on a rassemblé ces informations, on a une vue ici qui permet… Alors, j'avais déjà préalablement déposé un fichier FTX. On voit bien, il y avait aussi une API Ethereum. Ouais. Et donc là, sur un wallet Ether, on en a ajouté un autre. Une fois qu'on arrive après sur la page suivante, la page des transactions. Donc là, on a la revue. Alors, c'est un petit peu particulier, on a une revue synthétique de toutes les transactions. Ce n'est pas un compte qui est nouveau, donc c'est un compte où il y avait déjà une analyse qui avait été en cours.
Je vous expliquerai après l'histoire des points d'exclamation. L'idée étant de se dire, ben, on peut voir toutes les transactions, on peut voir le détail des transactions. Donc, par exemple, si ce retrait d'Ethereum réalisé le 7 décembre, on se dit, ce retrait, ça a été un paiement en crypto-monnaie, je mets ce label de paiement. Et donc, nous, automatiquement, on va lui appliquer, on va dire, l'enregistrement fiscal comme si c'était un paiement. Donc, on sait que c'est un fait générateur de l'impôt et donc, on va directement l'ajouter dans les liasses fiscales. On peut, je ne sais pas si on se dit, cette transaction, ces deux transactions, ça a été des envois ou des transactions que j'ai fait pour le compte de quelqu'un d'autre parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé d'investir en crypto. Donc, celle-là et un autre achat, ça ne correspond pas à mon compte. C'est le compte de mon père. Je dois les supprimer dans le cadre de mon propre calcul de plus-value. C'est bien le calcul pour mon foyer fiscal. On peut supprimer des transactions. Et après, on peut aussi donc, filtrer sur les transactions qu'on veut en modifier certaines. Et on peut aussi, par exemple, si on a fait des opérations un peu spécifiques ou manuellement, il y a une plateforme que Wealthio ne supporte pas, où on peut ajouter des transactions ici. Donc là, on le voit mal à cause de l'écran, mais on peut ajouter un dépôt et on renseigne les informations, la valeur, quelle crypto. Je ne sais pas, par exemple, 0.1 BTC. Et à partir de là, on va lancer une analyse et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va mettre en fait on va identifier les erreurs de calcul, les petites ou les besoins en tout cas de davantage enquêter sur le logiciel. Donc l'étape suivante, j'en profite pour dire là en fait le compte était setup pour un compte entreprise, un compte professionnel. Et là, en l'occurrence, on veut le paramétrer pour un compte où on est particulier ayant une activité occasionnelle. Donc, à partir de là, on va lancer une analyse. Nous, on va faire une première vérification. Est-ce qu'on a bien tous les types de transactions? Les labels, on va les prendre en compte. On va analyser, en fait, on va rapprocher les transactions entre elles. Exemple, j'ai un retrait de 0,1 Bitcoin de mon compte Kraken vers mon Ledger. On va avoir un dépôt sur le Ledger, un retrait sur le Kraken. Nous, on va les rapprocher entre eux. Donc là, c'est le moment où l'outil mouline. On va calculer, on va identifier donc l'effet générateur de l'impôt, les cessions imposables. Là, il est en train de calculer les balances, donc c'est-à-dire combien on a à chaque fois en crypto-monnaie sur toutes les plateformes. Et puis, on va s'assurer qu'il n'y ait pas des transactions illogiques. Alors là, j'avoue que c'est un exemple un peu particulier. Ce n'est pas un vrai compte. On a vu tout à l'heure, j'ai ajouté une clé publique qui n'est pas dans mon compte. Donc, en fait, ça va identifier des transactions qui ne sont pas… le calcul de plus-value n'a pas de sens parce que ce n'est pas un compte complet. Ce que je vais faire, c'est… ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller jusqu'au bout pour montrer les documents. Mais ça permettait de voir en réel le fonctionnement avec une clé publique d'un compte Ethereum. Donc là, par exemple, on va dire ce qui est une des complexités du calcul de plus-value, ça va être de dire toutes les opérations crypto-crypto, on doit avoir un prix en euros. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de régimes fiscaux. Donc, nous, on a des fournisseurs. Aujourd'hui, on a trois, donc type Kaiko, CoinCodex, CoinGecko. Mais pour certains coins, il est possible qu'on ait, ou à certaines journées, on n'ait pas la valeur de ces coins. Nos fournisseurs ne nous l'aient pas donné. On enrichit nous-mêmes notre base de données. Mais il est possible que certaines opérations, les prix ne soient pas mentionnés. Parce que l'idée, c'est d'avoir le prix au moment de la transaction. Exactement, oui. Et comme on avait dit, il y a au moment de la transaction, mais aussi lors du fait générateur de l'impôt. Par exemple, j'ai fait un Bitcoin euro, mais je détiens des Shiba à ce moment-là. Il faut qu'on ait le prix du Shiba à ce moment-là pour le valoriser correctement au sein du portefeuille. Oui, tout à fait. Donc, on peut demander de renseigner un prix. Donc, soit on va modifier le prix par transaction. Donc, on peut modifier le prix sur une transaction ou on peut sinon modifier le prix pour toutes les transactions d'un coup. Si par exemple, on a
un coin qui n'a aucune valeur, ça ne sert à rien de renseigner le prix sur toutes les transactions. On le modifie pour toutes les transactions. Donc, on dit, bah, ça, c'est un prix qui a, il est de 0,0001 parce que c'est un coin qui n'a aucune valeur. Nous, on va même lire des coins d'airdrop complètement, de coins qui n'ont pas de valeur. Et donc, dans ce cas-là, on va les renseigner. Je ne vais pas le faire, c'était plus pour vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement à l'étape 3. Désolé, on relance cette analyse. Donc là, c'est ce que tu disais, c'est que forcément, vu que c'est deux comptes qui sont différents, là où il est censé croiser entre A, c'était Ledger, A, c'était le dépôt, bah, il ne va pas y avoir pour le coup. Complètement. Comme on a pris un compte qui n'a rien à voir dans un compte qui est complet, l'outil va se dire, bah, écoutez, il faut davantage enquêter et renseigner. J'en profite pour dire que on a en bas souvent la FAQ, et sinon ici, c'est le support, c'est un support en temps réel, mais c'est on répond, et ça permet en fait d'accompagner. Il y a aussi les différents articles, il y a un certain nombre de réponses qui permettent de guider. Donc, une fois qu'on a corrigé donc individuellement tous les prix, donc on peut passer à l'étape suivante. Et après, donc nous, si on a encore des doutes sur certains comptes de crypto-monnaie, on va dire, bah, est-ce que par exemple, c'est-à-dire qu'on a des opérations, on ne sait pas les enregistrer, avez-vous réalisé des paiements ? Et bien, on peut dire oui, par exemple, ce retrait de 5 000 USDT, ça a été utilisé pour acheter une Tesla, mais pour le coup, ce n'est pas le bon montant. Mais tu n'as pas pris un petit wallet quand même. Hein. Non. Il y a du 30 000 en dessous, là, il y a une Tesla peut-être un petit peu plus bas. Ouais. Est-ce que par exemple, pareil, est-ce que je ne sais pas, quelqu'un qui a envoyé des tokens dans un scam ou qui a perdu ses jetons, ça doit être pris en compte dans le calcul de plus-value, ou en tout cas, alors là pour le coup, c'est dans un intérêt purement pour l'individu, le contribuable, d'un point de vue fiscal. Donc oui, il faut le déclarer. Par exemple, ces tokens, ça a été, je les ai perdus. Donc on va dire, par exemple, tout cela. Après, évidemment, dans l'idée, vous pouvez le faire pour tous les enfin, ça peut être fait pour tous les jetons. Mais en cas de contrôle fiscal, il faudra être capable, on va dire, de montrer que ces tokens ne reviennent pas dans le portefeuille plus tard. Donc, une certaine façon de prouver. Et à partir de là, je ne vais pas modifier tout le compte, mais on peut obtenir un certain nombre de documents dans le cadre du calcul de plus-value. Donc, l'idée pour nous, ça a été, premier point, d'avoir donc un document qui atteste du travail qui est réalisé. Savoir que très souvent, dans les contrôles fiscaux, quand il y a des doutes, on va dire, et une certaine complexité, prouver sa bonne foi est déjà un excellent élément en cas de contrôle fiscal. Et donc là, on voit que l'individu, notre utilisateur, a cherché à bien calculer, à bien déclarer. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, ça fait un gain de 3 900 €, un montant imposable du temps. Donc on a, comme je disais, un premier document qui est une lettre qui atteste des travaux réalisés sur l'outil. Le deuxième, c'est l'annexe de déclaration de plus-value, la 2086, qu'on doit remplir, renseigner durant la phase de déclaration de revenus. Donc, je peux la télécharger, je vous la montre. Et après, on a un autre document. Donc, pendant que ça s'ouvre, je présente le grand livre. Le grand livre, c'est très simple. C'est un document qui retrace toutes les transactions, le détail de tous les calculs. C'est-à-dire que si un jour il y a un contrôle fiscal, alors ce n'est pas celui qui s'affiche tout de suite à l'écran, on verra après, mais le grand livre, c'est si il y a un jour on a un contrôle fiscal, on peut détailler chacune des transactions. D'accord. Donc là, ce qui s'affiche à l'écran, c'est donc la fameuse annexe 2086. Alors, elle ne s'affiche pas à l'écran. Je pense qu'il faut que tu changes de fenêtre sur Zoom, parce qu'on a encore Waltio, nous. OK. Super. Tac. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'idée, c'est on réduit la fenêtre, on met à côté la fenêtre de l'espace en ligne de déclaration impôts.gouv et on recopie-colle les chiffres. Si on en a beaucoup, ou en l'occurrence, aujourd'hui, il est limité à 20 espaces, on peut demander à l'administration fiscale si on peut l'envoyer en PDF. Ce n'est pas une pratique courante ou standard, mais on peut l'enregistrer, ce document Excel, en PDF et le renvoyer. Maintenant, il faut mieux avoir leur autorisation. Petit tips. Donc, une fois qu'on a ces informations, on n'a plus qu'à les renseigner dans la déclaration de plus-value. Après, ça calcule donc la plus ou moins value globale et l'État se charge de donner le montant d'impôt à déclarer. Je reviens juste sur Waltio en termes. Je repartage l'écran. Est-ce qu'on est bon? Vous voyez maintenant l'écran, vous voyez l'Excel? Ouais, on est toujours sur l'Excel.
Nickel. Donc là, on voit, donc on a vu cette déclaration, on voit le grand livre. Donc le grand livre, c'était le document que je disais, vous le gardez pour, le but, c'est de le garder pour soi. Il y a un contrôle fiscal, on envoie ça, on est capable de détailler l'intégralité pardon, des montants déclarés. Ça permet d'avoir un historique de transactions agrégées, c'est-à-dire que le détail de toutes les opérations réalisées avec le détail de tous les calculs, je peux l'ouvrir. Et donc, ça permet de justifier, on va dire, on va voir les opérations, lesquelles ont été modifiées, lesquelles sont des transactions imposables, quel a été le libellé, la date des opérations, les plateformes, les valeurs, les prix et le détail du calcul de plus-value. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais montant de la plus-value, les balances, quelle était la valeur de portefeuille, le prix total d'acquisition brut, net. On n'a pas été dans le détail technique, mais la fraction de capital qui est utilisée dans le prix total d'acquisition, donc quand il y a plusieurs cessions imposables. Donc, ça permet de justifier le calcul, on va dire, de plus-value et surtout les montants déclarés. À partir de là, on a un dernier document qui est une fiche de stock. C'est surtout pour ceux qui ont plusieurs comptes ou qui ont un certain nombre d'opérations. Ça permet de suivre l'évolution donc, du coût d'achat de ces crypto-monnaies, CUMP, le coût unitaire moyen pondéré d'achat, de voir les balances. En cas d'erreur dans le calcul de plus-value pour ceux qui ont un certain nombre de comptes, ça permet de mieux suivre son calcul, premier point. Et deuxième point, pour ceux qui ont un suivi, qui aiment bien le suivi minutieux de leur compte et qui aiment bien, on va dire, suivre régulièrement avant même qu'ils aient fait des faits générateurs de l'impôt, on voit qu'on a de plus en plus d'utilisateurs comme ça, ça permet de voir le document. Et après, nous, on présente les prochaines étapes. Le premier, ça va être de déclarer les comptes à l'étranger. On donne les informations. Et le deuxième, on a un petit tutoriel vraiment étape par étape qui permet, qui est d'ailleurs public, permet de dire, une fois qu'on est dans l'espace en ligne, on clique sur tel bouton. Après, en fonction, on va cliquer là et là. Et l'idée, c'est vraiment, on le met à côté de son écran. Et quand on est comme ça dans l'espace impôt.gouv, on avance plus vite et on ne fait pas 400 allers-retours en boucle dans l'espace à passer des heures à faire ça. OK, carrément. Et là, d'ailleurs, une petite question. Si là, on veut payer les 1000 et quelques, on veut s'acquitter de la redevance et que je retire de la crypto pour la payer, est-ce que je suis aussi imposé sur ce que je retire pour payer l'impôt ou pas? Oui, alors, si c'est retiré cette année, oui, parce que là, dans ce cas-là, les retirer, ça veut dire on ne peut pas payer ses impôts en France encore en crypto-monnaie. Donc, les retirer, ça veut dire réaliser un fait générateur de l'impôt, concrètement. Donc, dans l'absolu, oui. Ah, c'est-à-dire que ça, en fait, ça ne s'arrête jamais. Du coup, tu retires en permanence pour payer l'année d'avant, quoi. Oui, alors, oui, tu peux voir comme ça, en effet, oui. Ouais. OK, ah, c'est marrant. Donc là, effectivement, avec cet outil-là et avec la déclaration d'impôt, on est au plus proche, en fonction des plateformes que vous acceptez et tout, de la réalité. Et quand il y a quelques ajustements, on l'a vu, tu le fais manuellement et puis ça te sort ce que tu dois débourser à la fin de l'année. Exactement, oui. OK. Sur l'année civile, du coup, là. Enfin, là, ça t'a pris tout ton portefeuille, mais tu pourrais dire, non, moi, c'est du 1er janvier au 31 décembre, par exemple. Alors, en fait, on est obligé d'avoir toutes les opérations depuis la toute première opération et c'est pour ça qu'on a, pour calculer ces plus-values. Et donc, c'est pour ça cette complexité, pour expliquer rapidement. Si on achète un Bitcoin en 2018, on en vend une, on échange contre d'autres crypto-monnaies en 2019, lors du moment où on va vouloir le vendre en 2021, on va être obligé de prendre en compte cette opération d'achat et cette opération d'échange donc dans les années antérieures. On ne peut pas montrer la plus-value si on n'a pas le prix d'achat en 2018 et les échanges réalisés en 2019. Donc, on est obligé de suivre toutes les transactions depuis la toute première. Et c'est ce qui rend en fait le système, le calcul un peu long, assez chronophage. Et c'est pour ça que utiliser un logiciel qui rend le plus, peut-être pas fun possible, mais en tout cas le plus intuitif et le plus facile, permet, on va dire, de mieux suivre son portefeuille, mais aussi de mieux d'avoir au moment où on veut calculer sa plus-value, on est plus certain d'avoir un montant qui est correct et on a moins de travail d'impôt. OK. Et pour conclure, deux questions. Quelles sont les nouvelles features qui vont arriver dans les prochains mois? Tu disais que le site va changer. Est-ce que vous allez apporter des nouvelles fonctionnalités? Et tu ne nous l'as pas dit en introduction, aujourd'hui, combien vous êtes chez Waltio, sachant que c'est l'entreprise que tu as créée, tu le disais, en 2018. Alors, l'entreprise, on a commencé à travailler sur le projet en,
Courant 2018, l'entreprise a maintenant, elle a été créée il y a pile 3 ans. Aujourd'hui, c'est 9 employés à temps plein au sein de Waltio. Quelles sont les prochaines Donc, il y a une nouvelle interface qui va sortir. L'idée étant, comme ce que je disais, d'aider à suivre le portefeuille. Donc, ça va aussi évoluer dans cette logique, cette logique de suivi de portefeuille. Je pense qu'on a des grosses fonctionnalités, surtout en termes de tracker, dans cette logique qui vont sortir. Une deuxième chose aussi, qui est un des deuxièmes projets qu'on a en ce moment, ça va être, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui investissaient en crypto-monnaie. Et l'idée étant d'adresser ces personnes qui placent leur trésorerie en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, notre logiciel, il fonctionne pour la fiscalité, mais il fonctionne aussi pour la comptabilité, pour les traders de crypto-monnaie, les professionnels, ceux qui ont des entreprises. Mais c'est d'adresser les entreprises qui placent leur trésorerie pour faire en sorte qu'une entreprise qui veut investir, un directeur financier, un CFO qui veut investir centaines de milliers d'euros en crypto-monnaie, d'un point de vue purement réglementaire, donc comptable, il n'y a aucun enjeu. Même logique, il connecte ses comptes et nous, on produit toutes les écritures comptables automatiquement. Et tu en as dit un mot tout à l'heure, mais tout ce qu'on a vu là, c'est dans le cadre légal français. Ce n'est pas le cas pour la Suisse ou pour la Belgique ou pour le Luxembourg, par exemple. Exactement. Alors, on nous pose très souvent ces questions. À l'heure actuelle, on est présent seulement en France. Il y a d'autres projets d'expansion dans d'autres pays, mais à l'heure actuelle, c'est seulement en effet en France, dans le cadre de la réglementation française. Ok, effectivement, ouais, c'est toujours intéressant de le préciser. Donc, on gardera un œil pour voir s'il y a d'autres pays qui s'ajoutent. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, d'avoir apporté toutes ces réponses sur le cadre un peu plus global, sur les amendements de Pierre et puis sur la solution de Waltio en fin d'épisode. On vous met dans la description les liens dont on a parlé au début, les liens de Waltio et les différents services. Là, d'ailleurs, Pierre, c'est la version payante qu'on avait sous les yeux tout à l'heure. Oui, exactement. Alors, les deux premières étapes donc de connexion des comptes et de lecture des transactions sont dans la version gratuite, donc accessible pour tous. On va sortir d'ailleurs un système où on peut télécharger ce fichier gratuitement une fois qu'on a connecté tous ces comptes qui va permettre d'avoir une vraie version gratuite, on va dire. Et après, c'est en effet le calcul de plus-value, ce qui est un peu plus d'habitude un travail de comptable ou d'avocat. C'est en effet payant. Et au niveau des tranches de prix, est-ce qu'elles sont déjà définies ou est-ce qu'elles s'adaptent? Non, elles vont. En fait, c'est en fonction du nombre de transactions. Ça va de 55 euros à 799 euros. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de personnes nous contactent en nous disant, écoutez, moi, je n'ai pas envie de m'en occuper. J'ai fait plein de choses. Donc, on a de plus en plus de personnes qui ont des accompagnements individualisés donc en plus. Le gros de nos clients étant soit à 55 ou 55, 150 et 249 euros. D'accord, okay. Ce qui permet d'avoir un paquet de transactions et souvent, effectivement, ça couvre la plupart des utilisateurs. Merci beaucoup, Pierre, encore une fois. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre, et ou Pierre ou moi, en fonction des appétences. J'espère que ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à vous faire vos retours au global en commentaire. Et d'ici là, sur ces périodes de fin d'année, n'hésitez pas à vous connecter sur Waltio, à checker un peu les portefeuilles, à voir les plus-values, parce que même quand le marché tangue un peu, c'est intéressant de se dire « Ah, en fait, je suis parfois en plus-value depuis un bon moment et je le suis toujours. » Et donc, n'hésitez pas à traquer ça. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Merci, Pierre. Merci, Valentin. À bientôt.